et après grosse chaleur. Donc ouais, là on arrose bien. Mais c'est bon, ça tient le coup. Par contre, fallait pas aller plus loin. Là, au 1er juillet. Là, ça, tu mets à goutte à goutte. Ah oui, ça c'est tout à goutte à goutte. Ça va souffrir un peu quand même. J'ai arrosé dimanche. Une heure dimanche. Non mais là, c'est là où tu vois, ça a été tassé. Mmh. Les engins sont passés là, quand on a fait la mare. Un peu plus loin, on va aller un peu plus loin, tu vas voir que... C'est des speed shows que t'as fait là-bas. C'est... je récupère le service et ils me font les plans. Donc ça, c'est tomate kaki coin, elle s'appelle. On va essayer d'en trouver une pour goûter, mais bon, rien pour l'instant. Tu sais, je trouve que elles sont quand même assez chargées en fruits, hein. C'est quand même une belle... Ouais. Quand t'en passes, toi? Ça, on voit que c'est chargé en fruits, mais déjà, ça manque de feuilles. Du coup, le fruit, il va pas être forcément très sucré, très goûteux. Et pourtant, j'ai pas beaucoup, tu vois, j'enlève les gourmands, mais j'enlève pas en totalité. Je t'avais expliqué ça l'année dernière, non ? Oui, pour que ça découle. Du coup, il y a plus de feuillage et du coup, il y a plus de... Plus de goût. Et tu vas voir la différence entre cette serre-là, juste pour les courgettes. Moi, ça voit déjà, c'est bon. Et l'autre, là, cette serre-là, les courgettes ont été plantées avant les autres. Et après, c'est conduit exactement pareil, arrosé exactement pareil. Alors par contre, il y avait aussi beaucoup plus d'herbe dans celle-là. Et ça aussi, je pense que sur la reprise, ça a été ça s'améliorera d'année en année. Oui, c'est ça. Bah, l'année dernière, j'avais le même problème sur l'autre serre. Hein. Là, du coup, tu as arraché, tu laisses... Là, qu'est-ce que j'avais? Les herbes, Oui. Donc, ouais, et puis il faudrait que je paille aussi. Mais oui, c'est oui, bien je laisser les ça. Herbes mourir comme ça au pied, c'est bien, non? Bah oui, parce que du coup ça reste humide, effectivement. Mmh.